I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je ressemble absolument à rien, mais une maman de deux enfants, c'est ça. Une fille qui vient de rentrer du boulot, qui se dépêche dans 20 minutes, elle doit aller chercher les mioches, et qui ne ressemble à rien. C'est comme ça la vraie vie. Coucou les loulous, j'étais faire mes courses à Lidl, et j'ai mal à la tête, il fait super chaud. J'étais faire mes courses à Lidl, j'en ai eu pour 233€ et des petites bananes. Je vais vous montrer toutes mes courses, il y en a partout, j'en peux plus, je sais plus. Comme d'habitude, rien de fifou, rien de particulier. Et donc on va commencer cette vidéo tout de suite, et je te rappelle quand même, Brigitte, que les courses que j'ai fait, c'est pas pour ta mère, pour ton chien, pour ton amant, pour ton facteur. Pour mamie Bernadette ou mamie Jacqueline, c'est mes courses. Donc tes commentaires rajoutent toutes les fous là où je pense. Et on commence cette vidéo tout de suite. Je sais même plus où poser le trépied, j'ai envie de te dire, Jacqueline. Je vais commencer par... j'ai été à Lidl, mais j'ai été aussi à Picard. Je vais essayer de m'en sortir. Une fois que ce sera un peu plus déblayé, ce sera mieux. J'ai pris des aiguillettes de poulet comme ceci. Si vous voyez les dates sur très loin, c'est juste parce que mes retours de course ne sont pas dans l'ordre où je les poste. Et que dans tous les cas, vous pouvez trouver absolument tous les trucs que je vais vous montrer là chez Lidl. Il n'y a pas d'exception, ni de... je ne pense pas. Bref, des aiguillettes de poulet comme ça. J'ai pris des charolais comme ceci, tout frais, tout bon pour les manger frais. Des fois, vous me dites, mais pourquoi tu les achètes pas congelés et tout? Parce que des fois, je vous montre la viande, je vous dis que je vais la congeler. Et des fois, je vais la manger tout de suite, ou peut-être qu'après, je vais la congeler, mais ça dépend, ça dépend. J'ai pris des... c'était... ah, c'est froid! Des croquettes comme ceci de poisson au rayon congelé, pour information. J'ai pris une petite viande hachée comme ça. Ça, je vais la congeler tout de suite parce que mon chéri, avec, il fait des... ouais, des spaghettis bolognaises. Pour le petit chouki, à Lidl, vous pouvez trouver un petit peu de repas pour bébé, mais il n'y a pas grand-chose. Mais j'avais du genre... T'as pas l'odorat. Mais si tu savais, comme j'en peux plus de ma vie, j'ai pas envie de faire deux magasins. Tu vois déjà là que c'était speed. J'ai pris des Bloody Chef comme ceci. J'en ai pris deux. Ça, c'est pour le petit chouki ou la petite courgette. Pour mon mec à moi, j'ai pris des viennois comme ça. Je vais vous donner toutes mes forces dans ce retour de course. Donc comme ceci. Et il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils étaient de la team. Je ne mélange pas. Moi aussi, je suis de la team. Je ne mélange pas. Donc je disais que j'allais vous donner toutes mes forces dans ce dernier retour de course. Autant te dire que les gamins, quand je vais la chercher, il n'y aura plus de personne. J'ai pris des pavés de saumon comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ça peut être... alors je vais pas te... que Damir, vous me le dites à chaque fois, oui c'est mes courses, c'est pas tes courses. Donc voilà, j'ai pris des cuisses de poulet comme ceci. Halal, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement parce qu'il y avait 30% de réduction. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on voit rien du tout, mais t'as compris. T'as compris Raymond, c'est des cuisses de poulet. On va pas chercher midi à 14h. Des petits plats comme ceci pour bébé Chouki. Hop là, tout ce qu'il y a de plus simple. Idée de maman, tomate, boulgour, saumon du Pacifique. Il n'aime pas le saumon, il n'aime pas le Pacifique, le gamin. Du Cantal AOP, jeune, comme ceci. On ne voit rien. Attendez, je vais bien vous caler là-bas, après on verra mieux. Des petits Suisses, comme ceci, pour Chouki ou pour la courgette. Maintenant, c'est cool avec Chouki, il commence à manger un petit peu comme ça, ça. Et ça fait plaisir. J'ai pris un pack d'eau comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. Il fait 1,5 litre. Il est bien, il est nickel. Je voulais en prendre plus, mais je pile ma vie. Et un autre pack d'eau que je vous conseille largement, même si je ne vous conseille pas d'acheter des bouteilles d'eau parce que l'environnement, l'écologie, le recyclage, on est où? On n'est pas bien. Mais bref, hein, j'ai pris un pack d'eau comme ceci et ces bouteilles-là. En plus d'être super lourd, Jacqueline, elles font 2 litres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si t'as des petits rejetons en bas âge et que tu as accouché de jumeaux, tu vois, dédicace à Emeline, si t'as accouché de jumeaux, bah, pour faire les bibons, c'est pas mal, tu vois. Si tu utilises des bouteilles d'eau comme ça. Voilà. Ensuite, on continue. Encore un petit truc comme ceci. Bah, toujours saumon du Pacifique. Un petit comme ça que j'ai perdu au milieu du pas, à croire qu'il n'est pas Lidl. Duo de carottes et patates douces. Semoule et lait, blédina, courgette fondue et macaroni et riz et légumes, poulet. Désolée, il n'y aura pas vraiment sens, mais je vais vous montrer les trucs de Picard parce que j'ai oublié que c'était congelé. Bah oui, c'est le principe de Picard.
Donc j'ai pris des nouilles aux légumes parce que mon mec m'a dit « Ah mais moi j'aurais pas le temps le soir de faire à manger aux enfants quand bébé Chouki mangera comme sa sœur. » Je lui dis « Mais ça te prend 5 minutes de décongeler des trucs. » Il me dit « Ah mais tu veux que t'achètes congeler les légumes, c'est pas bon. » Je fais « Ok, bah tu sais quoi, je vais aller à la Picard, qu'est-ce qu'il y a ?» Donc j'ai pris des nouilles comme ceci aux légumes, ok. Picard c'est cuisiné, c'est juste trop bon. Pour tout ce qui est Picard, j'en ai eu pour 23 euros. J'ai pris comme ceci des patates. Alors, des frites, elles peuvent se faire soit au four, soit à la friteuse, et vous avez 3 légumes, tu vois, donc je ferais ça plutôt pas mal. Carottes, betteraves et panais frits. On va tester. C'est trop du bien. J'ai pris une poêlée de légumes à la provençale, comme si, vous voyez, c'est des sachets assez généreux. Je sais pas du tout comment je vais caser ça dans mon congélateur. Je sais qu'on peut le faire soi-même, mais c'est histoire de faire taire mon chéri, tu vois, qui dit, bah si t'as le temps, regarde, je t'ai même pris des lentilles, le truc de feignant, le truc du mec qui travaille et qui a pas le temps de gérer ses gosses, des lentilles, les trucs que la courgette, elle adore, et il a pas d'excuses, hein, j'ai envie de te dire, 5 minutes tu fais les lentilles pour la courgette. Ensuite, des légumes comme ceci, cuits à la vapeur, donc ça, il me reste de dire, mais c'est pas bon, c'est bon, ta gamine, tu la forces. J'ai fait ensuite un wok pour légumes, comme ceci. Ça avait l'air tellement bon. Donc pourquoi pas des specs provola in caranzala. Je sais pas ce que c'est, mais en fait, ça avait l'air très bon. Donc j'ai pris. J'avais pas le temps de regarder ce que c'était. Un mélange de légumes grillés comme ceci, aubergines, courgettes. Il y a de ma petite chérie dedans. Courgettes, poivrons rouges et jaunes comme ceci. Pourquoi pas. J'ai pris des fusées comme ça pour ma grande et j'ai pris des sucettes, des glaces comme ça pour moi. Elles sont juste très très bonnes ces glaces-là, franchement. Je les kiffe. Allez, on continue. Ensuite, j'ai pris pour ma courgette des yaourts grecs comme ceci. Elle adore. Qu'est-ce que tu veux comme dessert? Qu'est-ce que tu veux comme dessert? Yaourt grec. Donc j'ai pris des yaourts grecs. J'ai pris des croûtes please. Comme ceci, personnellement, moi j'ai jamais testé. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est un peu comme les danettes. Vous avez une danette là, et puis là vous avez des petits éclats, du petit chocolat à manger. Aucun ordre dans cette vidéo. Il y avait une réduction. Je crois qu'il y avait une réduction sur ces pavés, comme ceci, à l'échalote, comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Je crois, je suppute que je les ai déjà goûtés, et c'est plutôt pas mal. J'ai pris de la limande du Nord, comme ceci, pour faire plaisir à mon chéri. Même s'il aime pas. Cette vidéo, c'est la vidéo d'insulte de mon mec, tu vois. Il aime pas le poisson. Et... des trucs comme ceci. Gwen, si tu passes par la dédicace à toi, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ça, je crois. Du râpé de 3 fromages. Ça, c'est juste délicieux sur vos pâtes, sur vos pizzas. C'est délicieux, j'ai déjà dit. Il y a du Masdam, de l'emmental, de la mozzarella. C'est top. De l'emmental français râpé, comme ceci, la base. Des paupiettes de porc, comme ça. Nickel, un repas facile à faire. Alors, mon chéri, quand tu rentres du boulot, tu te dis, je vais faire les paupiettes, tu mets les paupiettes, et ensuite, tu prépares les enfants, tu les douches, les machins, et les paupiettes sont prises. Tu vois, c'est une histoire d'organisation. C'est compliqué de parler à son mec. J'ai pris, mais tout va bien avec mon chéri, je vous rassure. J'ai pris des chouchous, cacahuètes caramélisées, comme ceci. J'avais vu dans une vidéo que c'était super délicieux, de bon, de ouf, de sa maman, ce que ça tue. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. La grosse méningite aiguë, j'ai pris des dés de chorizo, comme ça. Je me suis dit que avec des petites pâtes et tout, ça peut être plutôt pas mal pour la petite courgette. J'ai pris des cuisses de poulet comme ceci, parce qu'il y avait aussi 30%. Ils sont pas halal, mais il y avait 30%. Donc comme ça, je ferai distinguo halal, pas halal, lequel est le meilleur. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Du poisson. Mais pourquoi? J'ai pris des petits trucs comme ça pour petit château d'amour. Vous en avez combien à l'intérieur? On avait 12 sachets, c'est marqué 1 et plus. Mon chat, il a 15 ans. Tu as du PQ? T'as plus de PQ, Jacqueline? Eh ben, moi, j'ai du PQ. Pour information, ce gosse-là, il est où? Là. N'est pas le mien. Donc j'ai pas besoin de le défouter. Sinon, celui-là c'est le mien. Par là, mais vous l'avez déjà vu. Donc, du papier cucu. J'ai pris du papier cul. J'ai pris Peppa Pig. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Aucune idée. Mais j'ai pris du papier toilette Peppa Pig. Et il y a marqué magique dessus. On adore, on adhère. Ma petite n'aime pas Peppa Pig. Je trouve ça un peu bizarre comme dessin animé. Bref, il y a 8 rouleaux pour te torcher les fesses avec un cochon. Voilà. Et ensuite, j'ai pris du papier comme ceci.
pchut, du papier pchut, vous en avez 10 et il y a 100 soies. On s'en fout en fait. Doux et résistant. Voilà, personnellement, moi j'aime beaucoup celui d'Action. Là, j'avais pas le temps, les gars, j'avais pas le temps d'aller chez Action. C'était un peu compliqué. J'ai pris des carrés crème comme ceci, des Kiri, on va dire. Très très bons. Ils sont très très bons pour. Ah, c'est le bazar. J'espère que vous êtes encore là parce que cette vidéo est très très chiante. Du jambon comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. 4 tranches comme ceci. Pour moi, j'ai pris des galettes céréales, lentilles et curry. Franchement, j'aime bien ces trucs-là pour le soir et tout. Justement, vu qu'on essaye de donner trop de viande aux enfants, bah, je lui donne des petits trucs comme ça. Et moi, j'aime bien aussi pour éviter de manger trop de viande. Des grandes tranches nature comme ceci, du pain de mie. Tout ce qu'il y a de plus simple. Pour mon mec, quand il fera les petits croque-monsieur. Et je lui ai pris de la brioche tranchée. Olivier, de Jean-Pierre, maître Jean-Pierre, il a changé son packaging. Il a changé son packaging, le coquin. Je sais pas si on va parler, mais je me suis dit, pour la petite chouquette, elle n'a jamais goûté encore les Kinder Delice. Donc, je lui ai pris pour la petite chouquette des Kinder Delice. Ok, pour la chouquette, voilà. On y croit à fond. Pour mes petits colis Vinted. Je me suis dit, bah oui, il fait chaud, on est en été, c'est une bonne idée, on va prendre des chocobons. Quelle bonne idée, Raymond. Donc, des chocobons pour les petits colis Vinted. J'aime bien envoyer une petite connerie quand je vous envoie les colis Vinted. Ben, mon Vinted est dans barre d'infos, à cette en promotion. Des petits nuggets comme ceci, pareil, truc rapide à faire. Et puis, oui, c'est dégueu, mais ça passe. J'ai pris des saucisses de Toulouse grillées comme ceci, un plat tout fait. Ça peut être aussi rapidement fait quand tu viens du boulot et tout, t'as pas le temps. Enfin, t'as la flémingite aiguë. Une petite tarte chèvre épinard à crème fraîche, s'il te plaît. Elle est toute petite, mais elle est très très bonne. Et ça, c'est que pour moi, parce que mon mec, il aime pas les épinards. Ok. Pour les gamins, tu m'as mis belle comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple, pas estampillé, rien du tout. Bien, je sais pas. Suisse, je sais pas, à l'effigie de je sais pas quoi, de drapeau de je sais pas, de foot, aucune idée. Du thon comme ceci, parce qu'on n'en avait pas, c'est la seule conserve que j'ai pris, Bernadette. Si tu veux un retour de course avec de la conserve, zappe ton chemin, il n'y a pas. Des petites nouilles comme ceci, je crois que c'est nature, je sais pas, c'est pas marqué du tout en français, mais je crois que c'est des nouilles instantanées nature. J'aime beaucoup, j'en mange pas souvent, mais j'aime plutôt bien. Ensuite, pour mon mec, je lui ai acheté des lardons. Tiens mon chéri, bonne fête des pères. J'ai pris des lardons comme ceci parce que la dernière fois c'était la catastrophe. Oh bah il n'y a plus de lardons, hein. Bah on n'est pas bien, il n'y a plus de lardons. Hein. Mais mon chéri, je t'ai acheté des gâteaux comme ça, j'en ai trouvé à Lidl, c'est pas trop bien. Des yaourts au chocolat noir. Et bah franchement, ils sont plutôt bons. Je les kiffe bien. J'ai pris du poulet comme ceci, du poulet déjà cuit, nickel, il est à 6,18€, prêt à déguster chaud ou froid, vous le voulez. Et bon mon poulet, et bon, donc du poulet comme ceci, ça va être nickel, voilà, pour manger sur le pouce, c'est plutôt pas mal. Des petits champignons de Paris comme ça, pareil pour manger cru, un délice. Un petit pot risotto au panais et champignons comme ceci pour bébé Chouki. On a pris du jambon de Bayonne, c'est la base, j'ai envie de te dire. Du quinoa, olive, tomate, comme ça, de la marque. Et Lou, on continue. J'ai ensuite pris des yaourts comme ceci parce que je les ai goûtés, je crois que c'est ceux-là. Je les ai goûtés chez un ami à moi, ils sont très très bons. Donc c'est d'ailleurs tout ce qu'il y a de plus simple pour les enfants, mais pas que. Vous avez saveur fraise, framboise, pêche, abricot. Ah non, c'est pas cela. Et vanille, voilà, pour information. Mais je pense qu'ils sont très très bons aussi. Ensuite, j'ai pris des petits yaourts à boire comme ceci pour la petite courgette. Framboise. Framboise comme ça. Je me suis laissée tenter par. Ah bah super la tentation. Ah bah on adore Jacqueline. De patates douces. C'est pas du tout la saison des patates douces, mais j'ai pris des patates douces comme ça pour faire des petits pots à mon bébé Chouki avec de la courgette. Des courgettes. Oui, bah oui. La courgette à l'intérieur et c'est. Patates douces courgettes. Bon, pourquoi pas. J'ai pris ensuite du poulet rôti. Ah, toute petite tranche. Ah bah dis donc, t'es pas généreux. Hein. Toute petite tranche comme ceci de poulet rôti fleuri mimiche. Et j'ai pris du jambon traditionnel comme ceci. Franchement, celui-là, il est vraiment très, 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 très bon. J'ai pris un outil. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est un séparateur d'étagères comme ceci. Je me suis dit, ça peut être une bonne idée. À voir à tester parce que...
Est-ce que je saquais dedans? Je n'ai pas saqué dedans. On va essayer d'être un peu intelligente. Putain, ça va être compliqué. Il n'y en avait pas d'ouvert. Mais je me dis que si ça marche pas, bah, j'ai pas envie de le défoncer pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc grosso modo, ça, je me suis dit que ça pourrait être utile pour la petite fourchette. Parce que c'est toujours le bordel avec les body, les machins, les trucs. C'est toujours un peu compliqué de ranger. Ouais, ok. La fille qui a tout pété. Ça m'a saoulé. Ça coûtait 4 euros. 4, presque 5 euros, j'ai envie de te dire. Et grosso modo, voilà, tu l'imagines que je suis une étagère, ok, que je suis une étagère, tu les cales comme ceci. Parce que là, tu vois, t'as le truc pour mettre. L'étagère, elle est là. Tu les cales comme ça, et puis ça te fait une espèce de bonjour. De séparation. Ça protège pas du coronavirus, mais tu vois l'idée. Ça peut être plutôt pas mal, voilà, à voir bien sûr avec l'épaisseur de votre. La largeur plutôt, la largeur de votre étagère. Pour information. Désolée pour le bruit, pour ceux que ça intéresse. Ça fait 5 cm. Non, l'épaisseur, c'est à peu près 5 cm. L'épaisseur du truc. Tout est marqué là. Hop là, pour information. On continue. J'ai pris des petites grignotes de poulet comme ceci. Saveur poulet rôti. Tout ce qu'il y a de plus simple. Grignotes de poulet, poulet rôti. Heureusement que c'est saveur poulet rôti. Et j'ai pris des saveurs mexicaines comme ça. Ça, ça valait 99 centimes. Je me suis pris un petit fromage frais de chèvre comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal assaisonné avec des. Enfin, avec par exemple, je sais pas, des tomates ou de l'avocat. C'est juste trop bon. Rapide sur le pouce, salade à la catalane comme ceci. Alors, il y en a qui vont détester ça. Moi, j'aime bien. J'ai pris pour mon chéri, il fait des gnocchi, des gnocchi, des gnocchi, des kiki. Il les fait super bien. Je kiffe quand il fait des gnocchi. Ensuite, vu que oui, je sais, vous voyez, je commence, c'était l'été, mais je me suis dit pourquoi pas mettre aussi des petits arlequins dans les colis Vinted. Ça, c'est franchement très très bon. Un petit peu acidulé, si vous connaissez pas les arlequins, bah foncez, vous savez ce qu'il en est. J'ai pris des pizzas, elles sont très très bonnes, cette gamme-là de pizzas, et n'a rien à envier au Sodebo, personnellement, et elles sont moins chères. De combien, je saurais plus, mais elles sont moins chères. Donc j'ai pris quatre fromages comme ceci, et vous voyez, franchement, elle est bien garnie. Et j'ai pris une... Prosciutto comme ceci, et franchement regardez la Sodebo, elle est pareille. Tu rajoutes vite fait, si t'es gourmande comme nous, tu rajoutes un petit peu de fromage, comme je t'ai montré trois fromages, mais vous voyez, elle est bien garnie, je trouve. Et puis c'est pizza à peu près fraîche, toujours un peu chelou les pizzas fraîches. J'ai fait ensuite des pareil de la marque des quinoa lentilles comme ceci. Hop, pour la petite chocatou pour moi sur le pouce. Du riz lentille à l'indienne. Et maintenant, côté indien, pas du tout raciste, pas du tout raciste. J'ai pris des nouilles comme ceci. Ok, des nouilles comme ça. Ça, c'est plutôt bon. Et ensuite, côté makelele. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu italien. C'est italien ou pas le café? Je voulais vous montrer ceci, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais du coup là j'ai pris toute la gamme pour vous montrer exactement ce que c'était. Ce sont des cafés un petit peu comme les Starbucks, mais sauf que là ils coûtent 99 centimes l'unité. Donc vous avez le latte macchiato, et franchement moi je les trouve plutôt bons. L'expresso, le cappuccino, hop, comme ceci. Et en dernier vous avez le intense. Intense, juste là. Voilà. Et chaque petite bouteille coûte 99 centimes. Donc, pourquoi pas Jean-Pierre? Et j'en ai pris deux, des cappuccinos, parce que c'est mon préféré. Les autres, je vous avoue que je les ai pris juste pour vous montrer. Et je vous montrerai aussi dans un vlog. J'ai pris des liégeois comme ceci au café, pareil. Très très bon, délicieux. Pour mon mec, j'ai pris des princes trempés dans le lait. Ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé ça, mais c'est juste divin. Pour les petits chouquis. Me dites pas que j'achète beaucoup de yaourt. Hein. On mange beaucoup de yaourt à la maison. Ok Mireille, ok Jacqueline, détendez-vous. J'ai pris des petits yaourts comme ceci pour bébé chouki en appoint. Je trouve ça plutôt pas mal. Pour mon chéri, je lui ai pris des... C'est chiant de dire j'ai pris, désolée. Mais les petits fondants au chocolat comme ceci. Je me suis dit pourquoi pas. C'est tout petit. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être un petit peu au micro-ondes, vite fait, rapidement. Ou pas du tout. Il n'y a rien de marqué. Conseil de dégustation au four, ouais, au four. Ou au micro-ondes, 25 secondes. Je ne me souviens pas avoir déjà mangé cela. Pour la chouquette, des petits yaourts de brebis à la vanille. Je crois qu'elle n'a jamais goûté le yaourt de brebis, mais franchement, de toi à moi, Jacqueline, je ne trouve pas ça vraiment différent. J'ai pris pour les chouquis
Des yaourts comme ceci au chocolat. Et tant qu'à faire, j'ai pris la même chose, mais saveur Nesquik. Je trouve un goût un petit peu particulier. Ouais, ça a vraiment le goût du Nesquik, on va dire. J'ai pris des petits pots de crème. Je n'ai pas des Mamie Nova. Il n'y avait pas Mamie Nova. Hein. Donc j'ai pris des petits pots de crème comme ceci, saveur chocolat. Pour bébé Chouki, deux petits pots comme ça, qui est à la ratatouille, riz et poisson. Hop. Tout ce qu'il y a de plus simple. Il ne veut pas focusser sur mes bélinas, je ne sais pas pourquoi. Et je lui ai pris encore un petit risotto, comme ceci. On continue avec Baby Chouki. Je lui ai pris du riz, des légumes et du poulet. Tout ça dans un plat super dégoûtant. Mais mon chéri, écoutez, hein, vu qu'il est dans son truc, elle va la faire manger. Je lui ai pris des merdes comme ça. J'ai pris idée de. Alors moi, c'est pas que c'est idée de merde, mais je pense que c'est toujours meilleur de le faire toi-même, en fait. C'est ça le truc, et mon chéri. Peut-être au début, c'est bien, ça te facilite la vie, mais au bout d'un moment, ton gamin, il doit manger un peu comme toi. Donc, si vous suivez mes blogs, vous connaissez tout ça. Je lui ai pris idée de maman comme ceci, Blédina. Voilà. Tout est une question d'organisation, en fait. Enfin, c'est chiant, hein, c'est super chiant. Hein. Mais je dis pas que la priorité, c'est tes enfants, mais je me dis que ben, si t'as une demi-heure et que t'as tout fait, que tu t'es fait plaisir, au lieu de glandouiller, moi ou comme lui, hein, de glandouiller devant l'ordinateur ou devant la télévision, bah, tu passes une demi-heure à faire chauffer des trucs, à tout mixer, ça te fait aussi bon que ça et beaucoup moins cher. Bref, j'ai pris un hachis parmentier comme ceci. Ça peut être pas mal pour partir au boulot quand t'as la flemme. Ça, je vous l'ai déjà présenté. Ça, j'ai déjà présenté. Zéro prix comme ceci, de l'emmental et du truc 3 fromages. J'en ai pris de la blinde, des surimi parce que après les yaourts grecs, bah, les surimi, c'est juste la base. On adore. Encore des lardons pour la fête de mon mec. Du poulet rôti comme ceci. Ça, pareil, c'est très très bien. Si t'as la flemme de faire manger, c'est top. Des lasagnes bolognaises. Hop, tu vois. Mon chéri, je te facilite la vie avec de la malbouffe. Lasagne bolognaise, mon chéri. Kiffe les lasagnes bolognaises. Pourtant, c'est pas très très compliqué à faire. Mais il faut avoir le temps, c'est sûr. De l'émincé de poulet, pareil, c'est nickel. Sur le pouce, hop, émincé de poulet. Et tu peux, en fait, tu vois, genre là, par exemple, je peux faire. Après, tu vas me dire, il y a du sel là-dedans. Je suis d'accord. Mais un tout petit peu de sel, ça ne mange pas trop pâte un canard. C'est mon avis. Par exemple, là, patate douce, courgette. Et je rajoute un petit peu de ça par rapport aux quantités d'un bébé d'un an. Sachant que mon bébé n'a que les dents là pour le moment. Donc tu vois, je peux faire des petits plats comme ça. Bien sûr, ce sera salé parce que là-dedans, il y a du sel qui est rajouté. Ou sinon, tu fais toi-même ton poulet et les fins de poulet, tu les décortiques, tu les machins, tu t'embouilles. Mixeur plongeant, tu fais tes petits pots de bébé et tu passes à la congélation. Moi, je kiffe. Saumon comme ceci avec des tagliatelles, c'est juste délicieux. Franchement, j'adore. Ça, il y a une petite réduction, 30% moins cher. Donc c'était 1,32€. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est quoi? Omelette aux pommes de terre. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais tu vois ce que je veux dire. Omelette aux pommes de terre, frites et épinards. Pommes de terre frites et aux épinards. C'est compliqué. Les pommes de terre frites, je pense, ou frites. C'est marqué frites. Ok. Donc à voir. J'ai pris de la mimomette comme ceci. Ça, c'est très très bon aussi. Pour la petite chouquette, c'est bien de changer. Des fois, je donne du babybel, des fois, je donne du vrai, du comté, du vrai fromage. Des fois, j'aime bien lui donner des petits trucs comme ça, tu vois. Donc là, c'est du masdam. Tu vois, il est très très bon, un petit peu sucré. Moi, j'aime beaucoup. J'ai une carte à gratter. Attendez, il m'a dit il faut gratter qu'une seule. Bravo! Vous avez gagné une crème dessert au chocolat. Yes! Yes, 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 yes! J'ai gagné ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je gagne. Moi, je gagne. Moi, je gagne. Ça se trouve, l'autre, j'avais gagné 10 000 euros, mais il faut rater qu'une seule case. Ensuite, j'ai pris noix de coco. Oh, oh! Du lait à la noix de coco, comme ceci. Ça, c'est bien pour faire du poulet coco ou n'importe quelle chose à la noix de coco. C'est super bon. Encore un comme ça. Je me suis pris du pain au blé complet. Et franchement, ça, c'est top. Il est très très bon. Alors, quand chez Lidl, franchement, je le trouve très très bon, moi personnellement. Des petites escalopes de soja et de blé, comme ceci. Délicieux aussi. Et j'ai pris une petite salade américaine, comme ça. Bon, c'est pas, ça n'a rien d'américain. American baby bitch! Et ensuite, j'ai pris ça, des rideaux par soleil, comme ceci. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que je vous montrerai ça dans un vlog. Je vous montrerai ce que ça donne, mais grosso modo, c'est des trucs en rouleur. Donc, à voir, à tester, sachant que mon mec, il a une Clio. Donc, voilà, pourquoi pas. Par contre, le motif n'était pas gêne-gêne. Le motif, il est comme ça. Mais avec ça, Jacqueline, je fais avec les moyens du bord. Hein.
J'ai fait ce que je peux. Il n'y avait que ça. Et en dernier niveau, la beauté du monde, j'ai pris des Blossom Blender. Alors peut-être que je ne vais pas tout utiliser, peut-être que je vais vous en faire gagner. Donc je ne vais pas les ouvrir. Mais grosso modo, il y en avait un comme ceci. Hop là. Il y en avait un comme ça. Vraiment tout spongieux. Hop. Il y en avait un comme ça, il était trop beau. C'était 1,99€, enfin 2 balles on va dire. Tu vois, je le trouve super joli. Hop. Et en dernier, il y avait celui-là qui a une forme un peu particulière. Voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, et voilà, la tête de con, la tête de con. J'en peux plus de ma vie. Et voilà les loulous, cette vidéo elle est finie. Je sais pas où est mon téléphone, mais il est de 15 minutes passé l'heure où j'aille chercher mes enfants. J'ai envoyé un message à nous, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour le retour de course, je vous remercie juste énormément de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai les seins qui pendouillent, hein. La brassière là ne tient pas dans une chaise, c'est un peu compliqué. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Laissez-moi un petit commentaire en disant le mot patate si vous êtes encore là, parce que elle était très très longue cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très 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 bientôt. À très 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 bientôt. Shakira, Shakira, Shakira. Je suis fatiguée, je suis exposée, désolée, je suis agaçante, mais je vous dis, faut pas que je me cogne. À très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.